Donc aujourd'hui, c'est une rencontre du championnat par équipe. C'est la journée numéro 3 du championnat par équipe en National 3. Notre équipe évolue à domicile, idem en départemental 3. Donc on a de la chance encore en Savoie de pouvoir jouer. Je sais que dans d'autres départements comme Grenoble, Lyon, Saint-Etienne, Clermont, ils n'ont pas accès à leur salle, donc ils sont contraints de reporter les journées. Le championnat par équipe, c'est sur 7 journées. Il y a deux phases dans la saison. Donc la première phase va de septembre à décembre. La seconde phase commence en janvier et se termine début mai. Donc là, on est dans le cadre de la première phase. On est sur la troisième journée. Donc à ce soir, on sera à peu près à la moitié du championnat. La journée en championnat national, c'est sur le score acquis. C'est 14 parties qui se jouent si on va jusqu'au terme, si on finit à 7-7. En gros, le premier à 8 a terminé, sauf si on va sur un score partagé. Les premières équipes, c'est pro à pro B. Donc là, c'est équivalent de Ligue 1, Ligue de foot. C'est vraiment une ligue professionnelle. Ensuite, il y a le championnat national, National 1, National 2, National 3. Donc nous, on évolue en National 3. Et après, ça descend pré-national. Donc là, c'est au niveau de la ligue. Après, il y a les régionales 1, 2, 3. Et après, pareil, il y a les niveaux départementaux. Le tennis de table, ça joue à tout âge. En format compétition, ça joue au meilleur des 5 manches. À 3 manches à 0, on a terminé le match. C'est des manches de 11 points avec 2 services chacun. La rencontre débute à 17h. Les joueurs arrivent nettement plus tôt. Ils sont là à partir de 14h. Le temps d'installer l'air de jeu, le temps de s'échauffer, accueillir les adversaires, etc. La rencontre donc commence à 17h. C'est deux parties qui se déroulent en même temps. Donc ils ont chacun 2 simples. Ensuite, on passe au double. Et après, si le score n'est pas acquis au moment des doubles, on continue avec un simple complémentaire pour faire 14 parties en tout. Pour le moment, moi, je viens de perdre mon premier match et mon partenaire Jean-Paul aussi. Donc là, on est mené 2-0. Et là, actuellement, c'est les deux autres joueurs qui sont en train de jouer, Fabio et Antoine. Donc on espère qu'ils vont rattraper le coup en gagnant leurs 2 matchs pour rester dans la course. Nous, l'objectif, c'est le maintien en National 3. Puisqu'au début, quand je suis arrivé, on était en Régional 1, on est monté en Pré-National et maintenant en National 3. Et là, c'est la deuxième saison qu'on fait à ce niveau-là. Jusqu'à maintenant, on a réussi à se maintenir, mais à chaque fois de justesse. Et là, on retente le coup.